Bonjour et bienvenue, on est parti. On est parti, on est en retard. Donc on cherche l'aéroport toujours. On s'est arrêté là la dernière fois parce qu'il y avait une grotte. Mais on est toujours sur le chemin de l'aéroport. Alors peut-être d'ici l'épisode 20, on y arrivera. Je sais pas. Mais ça prend beaucoup de temps hein, pour le moment. Ça prend beaucoup de temps. Donc on continue, on a notre ça, on est bon, on a encore des calories, on a de l'eau, on a beaucoup de champignons et tout ça. Donc ça va. Ça va, ça va. Mais ça met beaucoup de temps, hein. On met beaucoup de temps pour y aller, ça va faire au moins 2 épisodes je crois qu'on est sur la route pour y aller. Encore heureux qu'on est parti maintenant et pas plus tard, hein. Putain. Pour le moment, le chemin, ça va. Pour le moment, ça va. On n'a rien rencontré de très très dangereux. Quelques loups sur le chemin, mais... Une belle flèche entre dans le museau et hop, on n'en parle plus. Ouais. Pour l'instant, ça va. C'est juste que... je sais pas en fait si on est encore très très loin ou pas. Et j'ai peur qu'on doive aller en bas là et que bah, au final il n'y ait pas grand chose parce que en hauteur on distingue aucun bâtiment, rien du tout. Donc ça me fait un peu peur. R, on voit R. On voit rien hein, pour ceux qui n'ont pas compris. On pourrait dessiner par contre. On n'a pas trop froid. Quand on commencera à faire froid, on fera des thés. On a pris l'habitude. Maintenant, on va continuer ça pour éviter qu'on soit dans le pétrin par rapport au froid et tout ça. Et qu'on continue à avoir les HP très élevés. Donc, on gère honnêtement extrêmement bien, hein. On gère extrêmement bien. C'est vrai que dans les anciennes saisons, j'avais un peu peur la plupart du temps. Enfin, pas peur, mais... Je gardais de côté trop de choses en fait. Parce que les champignons, honnêtement, on en trouve plein partout. On en trouve des tonnes et des tonnes. Allumettes, honnêtement, si on fait attention et qu'on fait des allumettes, c'est pas genre pour un feu, pour genre 1 litre d'eau. Et que à chaque fois que vous faites un feu, vous l'utilisez au maximum. Ça aussi, pareil, les allumettes, vous en trouvez suffisamment. En plus, nous, on n'utilise pas les allumettes directement, on utilise les torches à chaque fois, donc c'est toujours une allumette pour un feu au final. Donc on a beaucoup de ressources à chaque fois. Donc maintenant, c'est vrai que j'y vais un peu plus... Je suis un peu plus généreux, on va dire, sur le fait d'utiliser les ressources, et ça se passe super bien. Un peu plus agressif, en fait, j'ai l'impression avec tout ça. Non, si on peut monter. Pareil pour la chasse, hein, dès qu'on voit un truc, bam! Comme j'ai dit, un braconnier, un braconnier. Mais bon, après là, ça reste quand même une zone qu'on connaît pas, donc c'est un peu dangereux. Je vais regarder s'il n'y a pas des massettes. Ok, lapin, lapin. Lapin x2. Lapin x2, ça m'intéresse. Mais bon. Zéro. Ah, peut-être là-bas, on dirait des. Attends. Merde. Pour économiser les pieds. Les flèches, on pourrait prendre des pierres aussi, mais bon. Ok. J'ai l'impression de voir des... Comment dire?
Là en face, c'est pas genre des défenses, pas des défenses, mais vous voyez genre un... Ah merde, des barrières, non? C'est pas des barrières ça? Par contre, on est un peu lourd là. Oh, c'est pas un mobile home ça là-bas? Oh! Ok, panneau nous dit là-bas, avion. Ok, on est sur le bon chemin du coup. On est sur le bon chemin. Ah bah oui, c'est bien ça, c'est des barrières. Alors faut faire gaffe parce qu'on pue la barbaque. Donc faudrait récupérer la viande et après on jette les lapins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Genre quelque chose de méchant, non. J'ai pas l'impression. Oh, oh là là! Yes, yes, yes. Ok, nickel. Oh! Alors, je continuerai d'écrire tant que mes mains en seront capables. Ce n'est pas possible que la vieille route soit entièrement détruite. Je ne suis pas venu ici en avion et ce n'est certainement pas comme ça que je vais partir. Je me fiche de ce qu'il raconte. D'accord. Enclos de Junker. De Junker. Ok. Donc on va pouvoir faire un peu de nourriture avec la viande. À la limite peut-être qu'on... Je crois qu'on va rester dormir ici. Hein, par contre. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer la peau et les faire sécher là-dedans. Là. Dans le mobilhome aussi. Comme ça on aura quand même des... Ah, une photo instantanée. Quelle vue, je n'arrive pas à croire qu'il... On est réussi à arriver là. Ah, ça c'est bien ça. On est loin ou pas? Ah, oh la vache! Ah ouais! Vue de l'aéroport abandonné. Oh, genre ça, ça doit être le début. L'aéroport, il doit être là, par là, sûrement. Ah! Il y a un loup. Attendez. Vous avez entendu? Il y a un lapin qui s'est fait tuer. On va peut-être désosser tout ça, là. Dépecer tout ça, plutôt. Oh, c'est un établi, ça tue. Oh, ça veut dire que je peux faire les flèches. Non, ça veut dire que je peux pas faire les flèches. J'ai pas de... De fût. Ouais, j'aurais dû en prendre des fûts. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Dormir. Oui, il y a un lit. Okay. Marche, nickel, nickel. Très bon, très très bon. Nickel. Alors, je sais pas ça si c'est dangereux à manger ou pas. De se réchauffer un peu. On est à combien? Les calories, ça commence un peu à baisser. Bien. On va sortir. Pardon. Alors, fais voir où est-ce que ça a piaillé, là. Ok, un loup ici. Pas autre chose. Ah, encore une flèche cassée.
Ah, lapin. Avec de la chance... Avec de la chance, on peut récupérer quelque chose dessus. Comment on peut faire du feu ici? Il est où le lapin? Ah merde, il avait tout mangé. Ah, fait chier. Est-ce qu'on a un endroit où on peut faire du feu? Non, on n'a pas de baril en fait. On pourrait faire un endroit à feu ici. Genre là, c'est protégé, je pense. Ah, est-ce qu'à l'intérieur, on peut pas faire de feu? Alors attends. T'es sérieux là? Il nous a pas... Le lapin, il était tout mort déjà. Ouais. Bon, par contre, les flèches, ça commence à me faire un tout petit peu peur. Il nous reste 8 flèches à 100%, 9 flèches en tout. 18%. Ouais. Il nous faudrait du bois là hein, pour à faire sécher hein, pour faire les flèches. J'avoue. Chemise à carreaux. On peut laisser. Ah, attendez, est-ce qu'on a des casiers fermés? Oui, on a des casiers fermés. Très bien. On peut. Réparer des trucs, mais c'est pas vraiment le plus important. Là par contre on a besoin de faire des calories. Ouais, on a besoin de faire des calories. Du coup il faut du... Pardon. Il faut du feu. Alors, allez, on recommence. %, c'est un peu bas. Très bien. Voilà, nickel. Et le petit bois, là, je commence à plus trop en avoir. J'espère qu'on va arriver au niveau 3 rapidement. Là par contre c'est un truc que j'ai hésité avant de partir, d'essayer de... d'augmenter notre feu pour ne pas avoir à utiliser du petit bois. Que j'avoue que c'est chiant. Là j'en ai plus de petit bois. Faudrait que j'en craft, faudrait que j'en fasse. Ok, très bien. Ça va plus vite de faire comme ça. J'ai plus que 7. Ah non, ça va, j'ai 7 fagotins. Je pensais que j'en avais quasiment pas. Manger ça. J'arrive. Il y a des plumes. Ah si. Oh bien 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 bien, 4 plumes. Nickel. Alors nous on veut aller où après du coup? Parce que c'est bien, c'est sympa là le message, le panneau qui nous dit avion, mais après c'est par où?
Ah bah on suit la route hein. Là il y a quoi? Ouais, on suivra la route en bas. Je veux juste voir s'il n'y a pas un loup qui traîne et tout, comme ça déjà on se le fait. Mais ça a l'air d'être ok. Ouais, ouais, ouais. On continue avec la route. On continuera avec la route. Qui sont un peu à droite à gauche. Donc ouais, ça je sais pas si on le fait ou pas. Ça m'embête un peu. Par contre, je vais juste déposer mes outils. Oh, ça me met trop si je fais ça. Voilà. Très bien. Et ça aussi. Et rouillé. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de manger. Hein. On va voir un peu nos skills. Allumage de feu. Ouais, on n'en est pas encore là. Hein. On n'en est pas encore là, hélas. Ok, très bien. Et dans une minute. On peut peut-être le garder, ça c'est 25 grammes pour 600 calories, on va le mettre de côté. Fasse un peu d'eau parce qu'on est un peu à court d'eau en fait. On n'arrête pas de faire des champignons et des trucs comme ça. Donc du coup du coup ça consomme de l'eau à chaque fois. Donc faut faire un peu attention. Après, on n'a pas besoin d'en faire énormément non plus, mais voilà quoi. Puis ça nous fait passer un peu le temps, parce que je voudrais qu'on... que ça soit au moins la moitié, la fin minuit quoi à peu près. Comme ça on dort 6 heures, ça devrait passer. Donc, on peut faire un thé reishi. Comme ça on en a deux à chaque fois. Thé reishi, très bien. Combien on a d'eau? Ouais, on a beaucoup maintenant. Ça va. Ça va, ça va. Fais voir un peu notre cuisine. Ouais, ça va. Tout augmente doucement. Ça va, c'est très bien. J'arrête de dire ça va. On est potable. Après, on pourra déposer un peu de...
de l'eau ici si on en a trop. Je voudrais à la limite réparer des trucs. Est-ce qu'on a vraiment besoin, je pense. Ah, j'ai perdu... Ok, j'ai perdu mon eau. C'est pas grave. Pas grave. De toute façon, le raccommodage aussi, faut l'augmenter, donc c'est pas vraiment très grave. On pourrait peut-être raccommoder encore un truc. 1h30. Ah, 1h30, c'est chaud quand même. Je raccommode avec ça, parce que les kits de couture, les nécessaires de couture, c'est pas... C'est pas dit qu'on en trouve, en fait. Ah, merde, ça... Bon, bah, c'est pas très très bien protégé, ici, en fait. Au final. Le vent, il a soufflé vraiment l'endroit où il fallait pas, quoi. C'est quasiment protégé de trois côtés. Fallait que le vent souffle du côté où c'est pas protégé. Parce que sinon c'est pas drôle, hein. Tiens, j'avais pas ouvert, mais il y a rien. Ok, le lit est là. Est-ce qu'on mange ça? Non. Allez, on va dormir. 39,50, ça c'est tout le bois, je pense qu'on a. Ouais, oh ouais, c'est tout le bois. Donc ça va, on va pouvoir faire du tri. Ok, ça c'est mauvais signe. Ça, on va le laisser. Toujours un temps de merde, c'est mauvais signe. Je sais qu'on a de l'eau. Ok. Couture. Couture pour passer le temps. Je dirais. Je sens qu'on va être bloqué ici pendant un petit moment. Ça m'agace. Ça m'embête. Calories, c'est un peu emmerdant. Là, il nous faut fourrure et un boyau. Ah, je sens que ça va être comme la dernière fois où on était bloqué pendant quasiment toute la journée. J'ai peur que ça fasse la même chose. Qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps? Médicaments, on n'a pas vraiment besoin. Ah, ça m'embête, ça m'embête.
Quasiment midi, ça n'a pas évolué. C'est deux tissus pour réparer ça. On a du fil et des hameçons aussi, donc niveau couture ça va. Très bien qu'on monte de niveau. On est quel niveau? Yes, encore un truc. Yes, accommodage niveau 2. Alors, on va voir. Ouais, accommodage niveau 2, 65% de chance de réussite. De réussir le raccommodage et tendre accommodage moins 10%. On pourrait manger. Là, on va avoir des problèmes pour les calories. Ouais, là on va arriver, ça y est, on va avoir les problèmes. Là on tape dans les ressources. Ça m'emmerde. Sans déconner. Mettre les objets cachés, cassés, pardon, pas cachés, cassés dans des armoires, des trucs comme ça. Ah, oh, ça utilise le kit de couture, merde. Ça va les détruire, donc vous pouvez détruire les choses comme ça. Voilà, très bien. Ouais, 95% ça l'a utilisé, c'est pas grave. Je peux rien faire en fait, ici. Non, je peux rien faire. Par contre, là ça m'embête. Ouais, non, on va pas sortir comme ça. On va dormir encore un peu. Ah, ça m'embête là. On va devoir se déplacer la nuit en plus. On va devoir se déplacer la nuit. Allez, go. Go, 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 go. J'espère qu'on trouvera des bois pour faire des flèches. Parce que sans ça, on risque d'avoir des problèmes. Enfin, même pour faire un arc, en fait. Genre arc et flèche, il nous faut. Juste là. Ok, on va bifurquer là. Le mieux, ça serait de suivre la route, mais je voudrais bien un peu économiser en fait sur flèche et arc.
Mais je pense qu'on va être obligé d'aller le voir. Oh là là. Allez, on avance, on avance. Ok, très bien. Nickel. Me dis, dis-moi que tu m'as pas flairé. Parfait. Ah, on peut descendre par là, intéressant. Non, on va continuer sur la route. Bon, bah ça va. Des fois, il y a des blizzards, en fait. Mais le blizzard a pas l'air de rester trop long. Enfin, si. Non, si, si. Ça dure quand même une journée. Mais c'est pas trop fréquent. Honnêtement, si c'est pas trop fréquent, ça me va. Le pire, c'est la Vallée Charmante. La Vallée Charmante, c'est une catastrophe, honnêtement. Vallée Charmante, c'est blizzard pendant genre une journée. 10 minutes où il n'y a plus rien. Blizzard. Voilà. C'est que comme ça, quoi. C'est tout le temps comme ça. C'est une vraie catastrophe. Donc c'est vraiment pas... Je déteste cet endroit. Je pense que c'est le pire, honnêtement. Vraiment le pire endroit du... Le pire endroit de la région où on peut être. Là, ça a l'air ok. Ça va. Il y a une sorte d'arche, là. Ça donne envie d'aller visiter, hein, mais je sais pas. D'abord, je voudrais trouver l'aéroport. À la limite, on visitera quand, quand on reviendra. Donc, toi, tu me dis que... Là-bas ? Pourtant, il y a un pont et tout, là-bas. C'est quoi, là ? Cordello. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on va suivre, hein, le panneau. Le panneau doit avoir raison, hein, en théorie. Sur les forums, il y avait pas mal de gens aussi qui disaient que ils n'arrivaient pas à survivre à l'aéroport. Genre les gens jouaient en difficulté un peu moins élevée pour apparaître en fait proche de l'aéroport et après ils y allaient. Excusez-moi. Mais bon, du coup ils étaient pas équipés. C'est ça le truc. C'est ça le problème, je pense. Ils n'étaient pas du tout équipés, pas d'armes, pas vraiment des bons vêtements et tout ça. Donc nous, on ne devrait pas trop avoir de problème, en fait, à survivre ici. Comme j'ai dit, tant qu'il y a des cerfs et tout qui traînent un peu partout, ça va. Faut juste trouver un endroit où il y a des cerfs. Ou alors un élan. Et après, j'en ai parlé. Ah, ok. Aéroport tout droit, ça marche. Après, à la limite, on pourrait s'affamer avant de partir. Enfin, on pourrait s'affamer si on reste sur le chemin. Comme ça, ça nous permet d'économiser les calories. Ok. Par contre... Ah, on a des bâtiments là-bas. Ça y est, je crois qu'on y est. Par contre, le brouillard arrive. Mais je crois qu'on est arrivé. Donc ça va. Yay! Ah ouais, non, mais les gens avaient raison, on disait que c'était très plat. Peut-être dans les forêts là-bas, on a peut-être une chance de trouver des cerfs. Donc il faudra y aller.
Après, sur le tarmac, j'en sais rien, honnêtement. Je vois mal, en fait, des cerfs se balader là-bas. Peut-être des loups, par contre. Je vois plus les cerfs aller dans la forêt, donc peut-être là. Ouais, peut-être. On va voir. Enfin, pour l'instant, de toute façon, on a encore des calories de réserve, donc ça va. Ok, bienvenue à Camber Aviation. Voir. Hangar principal. Ah, on peut rentrer dedans. Ça marche ou pas? C'est quoi ça, quitter le véhicule? Bon. Ah, on peut aller derrière aussi. Cool. Ah, fouiller le casier. Ah, cool. Il y a des casiers. Il y a plusieurs casiers en fait. Ah, c'est sympa ça. Ah, chaussettes en laine, ça peut être intéressant. Ah, mais attends, comment je fais les... Il y a d'autres casiers? Ok. Baril... On peut rentrer là. Ah ouais, non, il y a pas mal de bâtiments à fouiller là. Pas mal de bâtiments à fouiller. Ah, vous entendez des loups là-bas sur un... Donc bon, ouais, ça risque d'être dangereux. Évidemment, on voit rien. On va monter. Un avion, un hélico. Caisse tissu. Ah, cuir séché, ça c'est pas mal. Par contre, on va faire attention, c'est quand on commence à être à 50% de la lampe. Parce qu'on n'a pas de fuel pour... Oups. On n'a pas de fuel, rien pour... pour l'alimenter, donc ça peut être dangereux. Si on a vraiment zéro lumière. Bon, après, je peux toujours faire des torches, mais... Enfin, quoique non, techniquement, je peux pas crafter de torches. Je peux en récupérer si je fais du feu, mais c'est tout. Donc on est un peu limité en lumière, faire attention. Wow, beaucoup d'eau. C'est sympa ces douches. Ok, il y a un peu de tissu. Ok, donc on peut dormir ici. Parce qu'à la limite, j'ai envie de laisser passer la nuit pour économiser la lampe. J'ai envie de faire ça en fait. Alors, c'est quoi, c'est un sweatshirt, on s'en fout. Bonnet, on s'en fout. Donc ça c'est les chaussettes en laine. Ok. Alors, est-ce qu'on économise les calories? C'est ma question. Est-ce qu'on économise les calories ou pas?
Ah, on voit pas grand chose sans lumière. Ouais, non. Je sais pas. Est-ce qu'on commence à économiser les calories quand on se balade? Ça, c'est la question. Oh, merde. Je suis où, là? Ok, là, on est derrière. Ça marche. Ouais. Je pense qu'on va peut-être économiser les calories, parce que là on est arrivé à notre destination. On est arrivé à notre destination, donc on peut se reposer ici. Puis si jamais on a un problème niveau poids, on pourra refaire les 72 heures. 72 heures, honnêtement, ça va très vite. Hein. Oh. Ok. Ça m'a fait peur, ça. 72 heures, ça va très vite pour avoir le bonus. Donc c'est pas très embêtant de le refaire. Ah, yes, ça c'est bien. Mais bon, il faut un lieu où on peut chasser. Je prends tout pour le moment, hein. Je me fais pas chier. Après on mettra tout à un endroit. Par contre, j'aime pas trop le... l'aéroport en lui-même, parce que... Enfin, l'intérieur, là, le hangar. Parce qu'il faut aller sur les côtés, tout ça, et monter pour pouvoir dormir. Donc ça, c'est un peu un problème. Je me demande si on ne devrait pas utiliser tout simplement le sac de couchage en bas. Comme ça, ça irait plus vite pour se déplacer. Bon, on peut faire du bois assez facilement, ça c'est bien. Alors, d'être sûr de la sécurité ici, j'ai dit au chef qu'avec seulement la piste actuelle, nos normes d'évacuation standard ne seront jamais satisfaites. Si on était n'importe où ailleurs, on ne l'exposerait jamais à un tel risque, mais il garde les yeux grands ouverts et moi aussi, je donne mon feu vert. 82. Ouais, je vais pas pouvoir maintenir la lampe comme ça. On va descendre. Bon, c'est un peu sombre, mais désolé, mais faut faire avec. Ah! Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ok, 0,41, c'est bien. Il fait combien à l'intérieur? 13, ça va. Bon, je vois pas grand chose, j'avoue, je suis d'accord. On va se mettre là. On n'est pas encore complètement fatigué. C'est quoi ce charbon? Attendez là. Faut qu'on dorme, mais elle est pas assez fatiguée. On fera ça quand il fera jour. Hein. On fera ça quand il fera jour. On va se mettre près de la porte.
Après, est-ce que ça va l'abîmer? Je sais plus. Il est à combien de pourcentage? 88, ça va. Ça va, ça va. Donc, je vais balancer ça, ça. Va mettre du charbon ici. Comme ça nous évite de monter en fait. Parce que honnêtement, ouais, c'est un peu relou de monter, descendre et tout ça. Donc on a un nécessaire de couture, très bien. Celui à 100%. Je sais même pas si ça s'abîme, le pied de biche. Je pense, hein, plus on l'utilise, plus ça s'abîme, j'imagine. Là, on a de la nourriture. Il y a des vêtements. Très bien. Médicaments. On peut faire du feu à l'intérieur ou pas? Non, on peut pas. C'est embêtant ça. Alors, ça. Ok. Nickel, on est à la moitié de la nuit, presque. Et on va s'affamer au cas où. On va économiser la nourriture maintenant. Donc ouais, on est en 32. Okay. Je vais sortir, on va refaire un petit tour vite fait. Voir si on trouve des trucs intéressants. Ah bah de toute façon, on va mettre fin à l'épisode. Donc on peut faire un petit tour dehors vite fait. Et après on va dormir. Ah, j'ai pas pris le sac de couchage. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je vais être honnête, ça a l'air bien grand, donc je pense qu'on a quand même pas mal de choses à fouiller. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Mais surtout, il faudra trouver une source de nourriture. Absolument trouver une source de nourriture. Ah oui, c'est grand, grand, grand quand même. Ah ouais. Donc là, il y a encore des avions, hélicos, bâtiments, la tour. Ça, c'est quoi? Ah, un cerf! Ça, c'est un cerf, ça, hein. Ça, c'est un cerf, ça. Ok, bien, bien, bien. Donc, on a des cerfs là-bas. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, on a la tour, bâtiment, hélico, avion, encore un hélico. Ok. Bon, ben, ça va, ça va, ça va, ça va. Parce que un cerf, ça fait quoi? Ça fait 7 kilos de viande, donc ça va. On peut, à la limite, continuer à utiliser nos calories, mais bon, je préfère quand même la jouer safe, qu'on tombe pas à court de nourriture. Tant qu'on, comme j'ai dit, tant qu'on n'a pas cuisine niveau 5, trop dangereux de tout le temps être en positif en calories. C'est trop dangereux. Manquerait plus qu'on mange trop et qu'après il faut qu'on aille chasser, puis après on n'a plus rien à chasser. Enfin voilà, c'est un peu la merde. On a combien? On est à 500. On va faire ça.
Et on va dormir, ce sera la fin de notre épisode. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, on continue tout l'aéroport, on va tout visiter. Et ouais, ça se passe bien, c'est cool. J'avais un peu peur que ça mette du temps et tout ça, mais là, c'est cool. Sympa. À la prochaine, ciao!